Alors, salut à tous les amis, aujourd'hui vidéo spéciale, petit trait de pile sur le monde du travail, on l'aime tous, non, en vrai 90% des Français n'aiment pas leur travail, sélection naturelle en dépit d'eux. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bientôt l'effondrement, et on sera libérés, on pourra bientôt cultiver nos pommes de terre, les nôtres, et oui. Alors, aujourd'hui on va se prendre trois petits traits de pile sur le monde du travail, et dites-moi d'ailleurs en commentaire vos mauvaises anecdotes sur le monde du travail, parce que ça fait toujours rigoler, ou pas du tout d'ailleurs. Alors la première, c'est les collègues FDP, mais c'est vraiment des FDP. Alors moi j'ai eu un peu une histoire similaire, mais sauf que c'était au lycée. Donc en gros ce Ray nous donne une anecdote, et en gros il parle des FDP, de collègues qui sont sympas avec toi, mais évidemment quand ils sont en groupe où il y a une fille jolie, ils te rabaissent. Ah ça c'est le pire. Alors, on va lire le topic. Mon collègue au travail devant la nouvelle, t'as aucun charisme. Le mec il dit carrément comme ça, t'as aucun charisme pour rabaisser et tenter de pécho, mais c'est vraiment des... C'est les pires espèces du monde ça, c'est le gros shaft du cancer. C'est vraiment l'ersatz du caca. Alors, il me lâche ça comme ça, mais littéralement, hein, il n'y avait pas de clash ou quoi, il me l'a balancé ça devant la nouvelle, j'ai rien compris, j'ai même pas eu le temps de réagir tellement ça a bugué. Jusqu'ici, je m'entendais plutôt bien avec lui, m'amusant de sa situation d'esclave en CDI, pendant que moi je suis en CDD, et que je me cassais bientôt et lui resterait sa vie là-bas. Au pire, il sera sélectionné naturellement par le monde du travail. Son petit CDI, son petit French Dream, avec sa petite Magali. Bah les golems, ce sont des copies de gens lambda. Ils n'ont pas de passion... Ils pensent tous la même chose, ils réfléchissent pas. Mais bizarrement, dès qu'il est devant les autres, en particulier devant les meufs, ça devient une raclure qui cherche constamment à créer une relation dominant-dominée. Ah mais c'est les pires ceux-là. Et généralement, bizarrement, on les retrouve toujours dans les écoles de commerce ou dans les jeunes cadres dynamiques. C'est juste une théorie, hein, je le diffame pas, évidemment. Ayant un minimum de répartie, je lui dis « T'es sûr que tu veux parler de charisme, toi ? Ouh ! Oh ! Bonne réplique, là c'est le « Ça fait mal. Et là, il parle chinois et change de sujet pour tenter de parler avec la nouvelle, qui osef total de lui. C'est les saouls naturels. Les golems sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour l'effondrement, je vous le dis. Tout ça pour bomber devant une Magali 6 sur 10. En plus, sur une Magali. Ah, c'est une 6 sur 10. Maintenant, c'est rare de nos jours les 6 sur 10 avec toute la nourriture industrielle. Le pire, c'est qu'après, ça va raconter aux autres collègues l'inverse, afin de pas me faire une sale réputation. Heureusement que je suis sorti de cet enfer, moi d'ailleurs. C'est horrible, le monde du travail. Bon, je comprends qu'on n'ait pas le choix. C'est le monde cruel de Berthold. C'est quoi ces FDP dans le monde du travail? Pourquoi on m'a pas prévenu? Mais c'est ça le truc. Personne te prévient quand t'arrives et tu te prends la grosse claque patriarcale des ouch. Ah, c'est ça le monde du travail. Ah, bah j'ai pas envie en fait. C'est pour ça que tout le monde est en dépression en fait. Merci le monde du travail. Il n'y a que dans les campagnes de clochards de merde où on voit ce genre de comportement. Bon, on le voit un peu partout. Hein. Et vas-y que ça se dispute pour un transpal. Alors moi je me rappelle, à mon premier taf, il y avait une Célestine toute gentille, mais qui était timide et se faisait rabaisser par les autres filles un peu wesh. Je m'en rappelle, c'était horrible. Et moi je me suis fait têche au bout de quelques jours parce que je travaillais trop au KLM, j'étais trop un baba cool. Sélection naturelle pour moi. Mais bon, heureusement, la sélection naturelle s'est rattrapée ici. Mais bon, heureusement qu'il n'y a pas que la sélection naturelle dans la vie, il y a un peu le karma. Merci le karma. Être cool, ça ne marche plus dans la société capitaliste, les amis. Et vas-y que ça sousse. Des meufs qui ressemblent à rien, mais bon, vu qu'on est en campagne, tous les mecs ont la trique facilement. C'est vrai, ça. Après, en campagne aussi. En vrai, ouais, c'est vrai. Par contre, j'avoue, en ville, elles sont plus fraîches. Hein. À la campagne, on a souvent le fond du tiroir, comme on dit dans le milieu. L'ersatz de l'ersatz. Le produit de substitution de substitution. Substitution-ception. Et vas-y, que ça clash pour rigoler, mais ça assume plus dès qu'on s'énerve contre eux. Alors, dites-moi les amis, avez-vous déjà connu ce genre de personnes? Moi, oui, mais c'était au lycée. Alors, deuxième red pill, les RH. Alors maintenant, c'est bizarre, parce que dans la société de 2021, parce qu'à un moment, il y avait la parodie South Park tout en haut, et puis il y avait la société. Mais là, on est arrivé à un point que la société a rejoint la parodie, et on sait plus si c'est réel ou pas les trolls. Et ça, c'est un gros problème. Moi, je ne sais plus, ça me rend barjo. Alors on va lire ce que disent les RH. Peut-être un fake, mais peut-être pas. Mais bon, on est en 2021, donc tout peut arriver. Suis-je la seule qui est turned off lorsque la première question qu'un candidat me demande est le salaire offert? Bah oui, c'est le but du travail. On échange sa force de travail contre un salaire. On n'y va pas pour le plaisir. Si on y allait tous pour le plaisir, il y aura plus que les artistes qui iront au travail, je pense. Hein. Certes, je sais que c'est une variable importante et qu'on doit tous payer des comptes. Mais ça me saisit à chaque fois. Monnaie à chair. Oh là, la mode américaine, ça me rend barjo. Vos avis? Cette race du démon. Moi aussi, je suis turned off quand j'entends ça. Mais anyway, bordel le franglais, j'ai envie de la claquer. Non, sans deck. Les gens bossent pour le fric, étonnant. Elle n'est pas payée pourtant. Elle n'a qu'à faire du brainstorming après son brunch pour ne pas overbooker son agenda. Le langage cancer des managers. Bosser pour l'argent 2021, malade. Ah, car elle croyait que les gens vont en taf par passion. Mais la passion. Les RH, cette race démoniaque. Golem de LinkedIn, plus RH, donc bullshit job. C'est sûr que ça allait pas être une lumière. RH, ce métier émotionnel de femme par excellence. Je dis femme pas, je lis. Tout au ressenti. Il y a peu dans ma boîte, groupe de plus de 500 000 employés, un gars ultra compétent s'est fait recaler car Madame RH ne le sentait pas. On devrait tous être bénévoles sinon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez des RH cancer? Petit sondage de la populace. Au bordel, les claques.
Les bonnes clacasses. Les clacasses, les clac-clac-classes. Laissez-moi deviner. Est-ce que c'est une dénicheuse de super-héros ou de ninja développeur chez Alten ou Altran? Je devais go master RH en IAE. Au final, je crois que je vais chercher un autre master. Un métier pire que RH? Oui, le market. Voilà pourquoi j'ai quitté ce métier. Que des nanas bêtes à vous arracher les yeux. Condescendante et spécialiste de la culture de merde en mode corporate. Mais c'est les corpos de Cyberpunk 2077. Corpo, rat corpo. Un esprit sain n'a rien à y faire. LinkedIn plus RH, anglicisme. À partir de là, tu sais que t'as affaire avec le lit de la société moderne. Et enfin, dernière red pill finale. Alors vous la connaissez peut-être, elle est culte. C'est la sélection à l'emploi. Vous savez, les sessions de recrutement, voilà. Et ça, c'est vraiment inhumain. On dirait l'esclavage moderne. Mais c'est horrible. On va écouter un petit extrait. Mais je vous invite à regarder tout le documentaire. Il est assez long, mais il est épique. Tout est culte. Le truc, c'est un battle royal. C'est Koh-Lanta, mais dans le monde du travail où tout le monde risque de finir à la porte parce qu'à la fin, il n'y en aura qu'un. Qui aura le totem d'immunité du SMIC. Mais les autres ne l'auront pas. On va regarder l'extrait. En gros, là, ils font un exercice pour voir s'ils savent vendre un objet ou présenter leur camarade, je sais plus. Mais il y a un rebelle dans le lot. Il s'appelle Hervé. Vous savez, le fameux Hervé de la cravate. C'est épique, on va voir. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Georges. Vendre, Hervé, vendre. Dans un premier temps, je présenterai Georges. Vendre, Hervé, vendre. Dans un deuxième temps, je le vendrai. D'accord. Georges a donc 37 ans, il est papa d'un petit enfant. Il a un parcours somme toute classique, un bac pro, ensuite en comptabilité, ce qui peut être un avantage dans ce cas précis. Le stress, il n'y en avait pas, moi ils me prennent pas. Il a été red pill par le monde du travail, ça ne le touche plus. Il n'est plus dans la compétition des golems boomers à vouloir se battre pour un poste. Même si j'ai pas de revenus. Encore une fois, la soumission, la brebis, faire le mouton, le docile, le dos rond, brosser les pompes, non. Oh, il dénonce. Merci. Voilà, c'est terminé. C'est le gars des rues qui met une grosse red pill au corpo de Cyberpunk d'Arasaka. La cravate Hervé, c'est... Ah, c'est le mot occulte. La cravate Hervé, c'est une prescription médicale. Une prescription médicale ? Si vous le jugez comme ça... Non, j'ai une question. Oui. J'ai vraiment, juste vous écouter là-dessus. J'aurais pu mettre un nœud papillon, je pense. Parce que vous voyez que tout le monde est en cravate. Oui. Comment vous sentez, là ? À l'aise. À l'aise. La façon où il a parlé à Hervé, ça m'aurait pas plu, quoi. Hervé, il a pas de cravate, c'est son choix. Son corps, il y a des boîtes que je connais, même des grands stalls, on n'a pas tous en cravate, malgré qu'on soit cadre. Moi, le premier. Je l'ai percé comme une attaque du recruteur, comme j'ai perçu ce fait-là de la part d'Hervé comme une provocation. Oh, les moutons. Donc, c'était légitime. Quand vous représentez une grande structure, vous avez une image à donner. Quand vous arrivez comme oh, un baladin... Le suceur. Attendez, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est le collègue... Le client, et ça, il va le voir, ça, le client. Il va le retenir, ça. Vous êtes plutôt à l'aise sans cravate. Ah, mais je peux avoir un papillon, une cravate, peu importe. D'accord. Là, aujourd'hui, nécessairement, je suis comme ça d'habitude. Est-ce que vous croyez au code vestimentaire, surtout lié au métier de la représentation? Être à l'heure, honnête, c'est peut-être plus important que d'avoir vraiment une cravate. À l'heure, honnête, c'est vrai. Croyez-vous pas? J'étais presque à leur dire, mais on va finir par nous confondre avec les témoins de Jéhovah. Mais c'est vrai. Il leur montrait bien qu'ils jouaient un rôle, eux. Bah, lui, il jouait son propre rôle. Il s'était mis en tête de jouer ce rôle-là, de l'emmerdeur. Bah, il l'a joué, et il l'a joué jusqu'au bout. C'est vrai. Pendant un temps, d'ailleurs... On a même cru qu'il était espion du... Bref, voilà, c'est tout. Vous pouvez voir la suite si vous voulez. Je mets le lien dans la description. C'était le consul Pazone. À la plus. Suce.